un milieu connu. Monsieur de quel pays Save the Children du Sénégal. Monsieur le premier commandant de Saint-Barthélemy. Monsieur le lieutenant-colonel commandant de Gabon. Gabon, c'est le groupement. Administratif, débattant, opérationnel. Et moi, c'est pour nos amis civils qui sont en train de connaître les abréviations. Messieurs, le chef de bataillon commandant le centre tactique numéro 7, Anbal Dibor. Et Dibor sera chargé de programme, parce que je n'ai pas pris Dibor, c'est pour en faire une CRM. Aujourd'hui, on aura l'occasion de passer au baptême officiel. Je voudrais, monsieur le directeur, excusez-moi, officier et sous-officier militaire du rang, madame, messieurs, je voudrais, au nom du collègue commandant de la zone militaire numéro 7, vous souhaiter la bienvenue. Le collègue commandant de la zone, pour les raisons de calamité, n'est pas là aujourd'hui, mais je suis persuadé que c'est avec plaisir que nous allons présider cette cérémonie. Vous me permettez donc, au nom du commandement, de dire trois mots. Le premier mot, ça va être au mot d'appréciation, une appréciation positive. Le deuxième mot, ça va être des remerciements qui vous permettrez une ouverture en termes de souhait pour optimiser justement cette collaboration entre les armées et celles de Chine. L'appréciation, il est positif parce que j'ai eu l'occasion d'observer la démarche de la collaboration. Donc j'en retiens une démarche positive, une démarche qualitative et une démarche pédagogique. Celle-ci nous a permis donc d'accélérer les choses à partir de 2015 et d'en arriver à ces résultats, à savoir l'équipement de la salle aujourd'hui. Je disais qu'elle était pédagogique, parce qu'ils ont pris le soin de prendre en compte, si vous voulez, les contraintes des bénéficiaires de la formation, et j'ai des témoins. Donc pour cela, j'apprécie positivement cette collaboration. Le deuxième mot, c'est des remerciements, bien entendu, au nom du commandement, pour l'engagement de tout le personnel de Saint-Étienne, mais également de la section des deux de l'état-major, qui n'a ménagé aucun effort pour qu'on aboutisse justement à ces résultats. On n'est pas encore à l'évaluation de l'effet majeur, mais je pense qu'on est à l'aliment 2 ou au moins à l'aliment 3 pour qu'à l'heure de l'évaluation, nous soyons performants. Je ne fais pas de doute par rapport à ça. Mon souhait, c'est le troisième volet de mon mot, c'est demander à tout le monde, à tous les acteurs, pour qu'ils maîtrisent parfaitement les différentes conventions, soit que ce soit une réalité, que tout le monde maîtrise les conventions en vigueur, parce que c'est ça la base dans la protection des enfants, mais également que tous les acteurs se connaissent mutuellement. C'est également un vœu que j'aimais et je suis qui sera réalisé. Et enfin, faire en sorte que, si vous voulez, l'écoute ou la capacité d'écoute soit, si vous voulez, un effet, une priorité dans toutes les actions que nous faisons. Je crois que tout cela réuni nous permettra très rapidement d'atteindre les objectifs que se sont fixés si vous êtes la section DP au niveau de l'état-major général des armées. En somme, donc, une collaboration fructueuse. La preuve, nous avons aujourd'hui en inaugurant cette salle, ou bien en équipant, excusez-moi, cette salle, et c'est à l'actif, bien entendu, du directeur et de tous ses collaborateurs. Je nous vois très engagés dans cette. En somme, appréciation positive, félicitations et remerciements à l'ensemble des acteurs et des souhaits que je formule pour que, à l'heure du rendez-vous, nous soyons performants et que nous soyons dans les pelotons de tête. C'est aux environs de 2016, c'est bien ça, monsieur le président. Encore une fois, merci beaucoup à tous d'être venus équiper cette salle d'épée. Au grand bénéfice donc du groupe de forces armées, soit qu'ils restent ici ou bien qu'ils engagent. En offense. Je vous remercie. Merci beaucoup, colonel. Non pas cinq mots, mais cinq mots de mots. Merci. C'est déjà dans